la Guinée, un pays et un peuple avec un potentiel illimité. Riche en ressources minérales, possédant plus de 42 milliards de tonnes de bauxite, le plus grand dépôt de la planète. Les Émirats Arabes Unis, un pays créé en 1971 pour combler les rêves de son peuple. Riche en ressources naturelles, le pays a connu une croissance sans précédent au cours des quatre dernières décennies, maximisant le potentiel illimité associé à ses ressources naturelles. Un pays qui possède la cinquième plus grande entreprise d'aluminium au monde, avec une production de 2,4 millions de tonnes d'aluminium par an. Une production qui a débuté en 1979 avec la construction de Doubal, qui est aujourd'hui de renommée mondiale et où tous les talents sont réunis pour rayonner. Renforcée par la création de Imal en 2007, l'une des plus grandes fonderies au monde avec une capacité prévue à 1,3 million de tonnes d'aluminium par an. À ce jour, l'investissement total déployé pour Imal a atteint environ 10 milliards de dollars américains. En 2013, Doubal et Imal ont fusionné pour former une seule formidable entité dans le marché, Émirat Global Aluminium, EGA. Les sociétés membres du groupe EGA ont établi une réputation certaine en termes d'excellence et de capacité dans le développement de projets et d'opérations d'usines d'aluminium aux Émirats Arabes Unis. Avec la supervision du succès de GAC par EGA, la société sera construite sur les valeurs de transparence, respect, égalité et rentabilité. Associée à la présence de Mubadala et la société d'investissement de Dubaï, en tant que société mère, GAC aura un excellent soutien. En tant que branche d'investissement du gouvernement de Dubaï, ICD a actuellement un portefeuille comprenant quelques sociétés des plus reconnues de Dubaï, appartenant à une large variété de secteurs. Mubadala, appartenant à 100% au gouvernement d'Abu Dhabi, il est chargé de renforcer le potentiel de croissance des Émirats à travers la diversification économique. The UAE's relationship with the Republic of Guinea began in 2007. We purchased 33% stake in GAC to secure bauxite for production of aluminium. The relationship flourished and strengthened through regular leadership visits. Diplomatic relationships were developed through exchanges of ambassadors. At 2013 Guinean Investor Conference in Abu Dhabi, the UAE also announced a grant of $90 million to support the development of energy and agriculture projects in Guinea. A number of concrete objectives have been achieved. The signature of long-term offtake supply contract with Guinea CBG has helped CBG expand, create more jobs, and export more bauxite. Emirates flights have also been established from Dubai to Conakry. This has boosted business opportunities between the two countries. Having experienced success that defined expectation and increasing our stake to 100%, we are now looking to take the projects to new levels. Le nouveau plan de développement du projet de GAC va assurer le suivi d'une exécution étudiée, minimiser les risques ainsi qu'une stratégie de standards internationaux. La première phase consiste à développer une opération d'exportation de bauxite et la construction d'un nouveau terminal portuaire à Kamsar, ouvert aux utilisateurs multiples. Avec les constructions prévues en 2015, ce nouveau terminal aura la capacité d'accueillir de plus grands cargos, permettant d'ouvrir aux produits guinéens de nouvelles voies d'échange dans de nouveaux marchés, tels que la Chine et les Émirats Arabes Unis. La deuxième phase, qui commencera en 2018, consiste à développer une raffinerie qui permettra de produire 2 millions de tonnes d'alumine par an. Les travaux de construction de la mine, du port et de l'usine devraient créer environ 14 000 emplois directs et indirects dans les régions de Kamsar et Sangaridi. L'expérience acquise par EGA dans l'exécution de la raffinerie d'alumine des Émirats Arabes Unis sera un facteur critique pour le développement futur de la raffinerie d'alumine en Guinée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le projet de la Guinée
envisage d'envoyer aux Émirats Arabes Unis 200 Guinéens pour acquérir de l'expérience, expérience qui sera par la suite reversée dans le projet de la Guinée. Et le plan de développement du GAC s'étend afin de couvrir d'autres aspects de la société locale, à part la création des emplois. To date, our social investment has included developing 6 schools, 4 health posts, 3 community centers, and 23 community wells. We also oversee vital community engagement activities, such as adult literacy courses, road safety education programs on HIV and AIDS, and malaria management programs. Cette approche est également cohérente avec la stratégie de développement de la Guinée visant à promouvoir le développement des ressources naturelles avec la création de valeur ajoutée. L'investissement total du projet, estimé à environ 5 milliards de dollars, aura un impact certain sur l'amélioration du PIB de la Guinée, sur la balance commerciale et sur les recettes fiscales pour le gouvernement. GAC is now part of a world group which understands the importance of social impact and sustainable development based on win-win strategies. Le développement des projets de raffinerie au niveau de EGA repose sur des standards les plus élevés en matière de santé, sécurité, environnement et relations avec les communautés. Ce sont des éléments critiques pour l'avenir et surtout le développement durable de projets. De la qualité de notre produit à la qualité de notre personnel, notre feuille de route parle d'elle-même. Nous voulons avoir un partenariat avec la République de Guinée afin de partager un avenir rayonnant et à long terme. Un avenir basé sur des avantages mutuels et un succès durable.